Apple Pay Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV.
Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Partout. Nous garde et nous protège. Amen.
vive Jésus-Christ qui levait bien vivant. Vive Jésus-Christ qui levait bien vivant. C'est pour toute la messielle là fait grand fête. Oui, c'est pour serviteur, bon Dieu, yo, fêté, bien fêté. C'est pour clairon son impour à nos rangs, qui réglait toutes les millions. C'est pour tout théâtre, qui clairait tout côté, fait grand fête. C'est pour lumière, ak bel terroir, qu'il a pour tout temps clairé Théa, où Théa senti li pas n'en fait noir encore. C'est pour lui le veut bien vivant, l'en mettre là avec nous tous et avec. Parmi moi,
si c'est pas te délivre ça, nous partagez besoin paraître en hauteur. Vive Jésus-Christ qui le veut bien vivant. Vive Jésus-Christ qui le veut bien vivant. C'est pour toi tout est ça, nous mandons. Fais siège Pascal, nous mettez à pas pour briller sans arrêter. Pour disparaître, fait noir péché. C'est pour le faire au plaisir. C'est pour le miel mêlé à l'autre lumière qui dans le ciel là. C'est pour les étoiles qui éclairaient juste dans devant joie. Joindre l'île là toujours. Étoile ça, pas comme ça y aurait les couchés. Étoile ça, c'est Jésus-Christ grand maître nous. Et l'éclairer dernier mot, avec belle lumière l'IA. N'enlever, ni lever, vivant sorti parmi moi. Vive Jésus-Christ qui le veut bien vivant. Vive Jésus-Christ qui le veut bien vivant. Grand maître, c'est pour faire que serviteur ou yo content, bien content. Pape François, Monseigneur le roi, tout paye. Toute autorité qui a gouverné Théa, tout peuple sauvé à nous-mêmes qui l'a devant. En dans la fête et fête par ça. À pouvoir Jésus-Christ, quand mettre nos petits tours, les vivants, les rois, les bons dieux, ensemble avec vous, ensemble avec l'Esprit Saint, depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Capitaine Bougio et Nabchita. Litigie la parole. Dans la deuxième partie cérémonie, nous prenons écouter gros merveille bon Dieu te fait pour peuple. À soya, à cause de yo qui difficile, n'apprend exceptionnellement trois mots sur la Bible, seulement sous cette litigie normale là suggérée nous. N'apprend premier lectia dans le livre la Genèse là, deuxième nan dans le livre prophète Isaïe, troisième nan dans le livre prophète Ézéchiel, en nous écouter en silence. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu vit que la lumière était bonne
Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Et il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l'arbre à fruit donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon, et il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent, et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. Cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le cria.
il les cria hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Seigneur, mon âme, Seigneur, mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Oh, Seigneur, envoie donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtu de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leur cri.
tes demeures, tu abreuves les montagnes, et la terre sera rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Quelle provision dans tes œuvres, Seigneur, tout cela. Ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, Seigneur Dieu, tu as créé l'être humain d'une manière admirable et tu l'as racheté d'une manière plus admirable encore. Nous t'en prions, donne-nous de résister aux attraits du péché par un esprit de sagesse et de parvenir ainsi aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Lecti, livre prophète Isaïe, chapitre 55, sorti dans verset 1er, pour arriver dans verset 11. Mes paroles, grand maître là, nous toutes qui soif, vînes dans de l'eau, nous-mêmes qui paguons l'argent, prochés, achetés, mangés. Vini, achetez du vin à clète sans l'argent, sans troquer en rien. Pour qui n'a dépensé l'argent nous, dans sac pas pain? Travaille nous, dans sac pas combler non. Coutez, penchez oreilles nous sous moi, mangez sac bon. Nomme nous à joindre plaisir dans sa consistance.
Penchez oreilles nous, viens joindre moi. Moi j'ai miséricorde, moi fidèle. Mais moi mettez comme témoin peuple moyen, comme chef à guide pour nation yo. Mais ou après les yon nation ou pas de connaît. Nation qui pas de connaît où, a couru vin joindre nous. Peut-être grand maître bon Dieu ou là, ak saint Israël là. Parce que moi fait ou joindre la gloire. Cherchez grand maître là, pendant yon capable joindre lui. Relel pendant li tout près. C'est pour méchant qui te route li, pour pécheur qui te calcule li yo. C'est pour le tourner côté grand maître là, la prend pitié pour lui. C'est pour le tourner côté bon Dieu nouant, parce qu'il paraît bien paré pour le pardonner. C'est que pensez mieux, pas pensez pas nous. Route moins yo, c'est pas route pas nous. C'est ça, grand maître l'a dit. C'est que, même Jean, si elle l'a haut en les terres, c'est qu'on sa route moins yo, haut en les route pas nous yo. Pensez mieux, en les pensez pas nous yo. Même Jean la pluie ak la neige descend sur le ciel là, et puis li pa tourné là encore, mais li rouze terre, li imbibé, li fait le j'aime, li bay moun kap siméan semence, li bay pain pour moun manger, c'est comme ça, parole moyen qui saute dans bouche moyen. Li patoune vin jwenn mwen vide, mais li fait tout sa m'vle. Li réussi nan sa m'voye l faire. Parole grand maître là. Thank you.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent en ce temps présent, dans ta bonté, fais grandir les désirs de ton peuple, car sans ton inspiration, aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu. Par le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36, les versets 16 et 17, puis 18 à 28. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils avaient rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la nation d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elle. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai de votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur.
cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle, raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas Seigneur. Seigneur Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement que constitue l'Église entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut de l'humanité, que le monde entier éprouve et reconnaisse la merveille. Ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. N'en que content, frère Maximio, qu'on y a à nous chanter Gloria. N'a pas chanté au refrain pendant la batte mais non et au refrain seulement. Vivons bien dans ciel-là. Vive que posé, n'a fait louange pour lui,
Célie n'a pas doré, n'a fait compliment poli. Sous terre, c'est pour peuple, il y a vive à cœur posé. Célie n'a pas doré, n'a fait compliment poli. Devant toute nation, je toutes merveilles ouvertes, où créer ciel là, où créer terre, fondi, alléluia, vive bon Dieu dans ciel là. N'a fait louange pour lui, Zélie n'a pas doré, n'a fait compliment pour lui. Que nous toute force nous vive mon Dieu dans ciel là. Peuple y a vive à cœur posé, n'a fait louange pour lui. Célie n'a pas doré, n'a fait compliment pour lui. N'a fait un peu plus ferme, c'est mouton là qui vient sauver nous.
salis misère. On dit Alléluia, vive mon Dieu dans le ciel là. Peuple, y a, vive à cœur posé. N'a fait louange, vous dis. Céline n'a pas doré, n'a fait compliment poli. Vive à cœur posé, n'a fait louange pour lui. Céline n'a adoré, n'a fait compliment pour lui. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais resplendir ta lumière par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'Esprit qui fait de nous des fils, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Saint Paul, dans son épître aux Romains, enseigne que notre union au Christ Jésus n'est possible que par le baptême. Ainsi, devons-nous mener une vie nouvelle. Romains, chapitre 6, les versets 3 à 11. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes été mort au péché, mais vivant par Dieu, en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël. Éternel est son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia.
Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. La pierre que rejetaient les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 16, les versets 1 à 7. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elle se disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à sa droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur disait, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée. » Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Très cher Père, chère religieuse, chers religieux,
Frères et sœurs, amis du Seigneur, bonsoir et bonne fête. Nous voici parvenus au point culminant du Triduum Pascal, débuté le jeudi saint. Nous chantons Alléluia, puisque Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. Alléluia, Alléluia, le Christ est ressuscité d'entre les morts. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Le Christ est vivant, il ne meurt plus. Louons Dieu qui, dans son amour infini, nous ressuscite en son Fils bien-aimé. En cette nuit très sainte, toute l'Église, dans la joie et la louange, célèbre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, cœur de la foi chrétienne. N'a célébré fête Pâques à Nessa, n'ayant contexte assez difficile. N'ayant contexte mondial marqué par la guerre, l'incertitude, la violence et le terrorisme, l'insécurité préoccupante, le pillage, la précarité, la pauvreté des populations laborieuses, le chômage des jeunes, le stress, les déplacements sans issue. Face à ces drames humains, notre joie pascale ne pourrait-elle pas être considérée comme béate ou idyllique? En outre, comment exulter de joie alors que parmi nous des frères et des sœurs ont plus le cœur à pleurer qu'à rire en raison des problèmes et souffrances multiformes de la vie? Mon qui quitte Kayo, qui pas même kon qui côté pour yo aller. Si la yo kap dormi sous place publique, si la yo kap dormi en bas galerie, si la yo kap dormi dans la rue, moun ki victime pillage, si la yo ki perdit Kayo ak tout sa yo te gagnen, parce que bandi boule yo, gagnen ki pas même rive sauve yon bout de papier, important parce que yo pa tab gen tan. Vraiment peuple la livré à lui-même. N'ayant contexte comme ça, est-ce que nous capable di bonne fête Pâques ou bien est-ce que nous gen raison pour nous fêter Anissa? Frèm ak sèm yo m'a répondu. Malgré tout, nous obligé fêter. Malgré tout, nous obligés de dire bonne fête Pâques parce que, vraiment avec ce mieux, nous ne sommes pas capables de quitter le volet espérance, nous, comme chrétiens, comme monde, même si c'est ça, nous avons besoin de faire. Vraiment, célébration fête Pâques, c'est mémorial. Libération, peuple Israël, là. C'est mémorial et puis annonce libération nous comme peuple bon Dieu. C'est une source d'espérance pour tout chrétien parce que le vivant Jésus-Christ parmi moi a annoncé victoire nous tout chrétien sous force mal là et sous péché. C'est la victoire du Christ sur la mort. La victoire de la vie sur une certaine culture de la mort, telle que la haine, la violence, les meurtres, l'égoïsme, la méchanceté, bref, le mal sous toutes ses formes, qui plonge l'humanité entière dans la souffrance. La résurrection du Christ nous ouvre donc à l'espérance. Car l'amour de Dieu est plus fort que la mort et que cet amour triomphera toujours du péché, du mal
et des œuvres de ténèbres dans lesquelles baigne l'humanité défigurée. D'où le sens de la liturgie de la lumière au début de notre célébration de ce soir. Flamme du feu qui t'illumine en commencement célébration, que Père lui-même était béni. Et puis là-dedans, l'humain siège pascal là, avec toute l'autre si baleine, si lumière, qui sortit dans le lumière siège pascal là. Possession lumière, hymne qui annonçait résurrection, exultait, qui chantait avec lumière siège pascal là, et puis l'autre si lumière, première lecture veillée, qui parlait de lumière, tout part de la lumière. Et la lumière est au centre de la liturgie de ce soir. Pâques, c'est fête lumière. Pâques, c'est une nouvelle création en Jésus-Christ. Par conséquent, Jean, dans la première création, mon Dieu te dit, c'est pour lumière apparaître. Il redit, le premier jour fête Pâques là, c'est pour lumière apparaître. Auparavant, il y avait eu la lumière, ou la nuit du mont des Oliviers, l'éclipse solaire de la passion et de la mort de Jésus, la nuit du sépulcre. Mais désormais, c'est de nouveau le premier jour. La création recommence, pour ainsi dire. Que la lumière soit, dit Dieu, et la lumière fut. Jésus-Christ qui levait bien vivant soutenant tombeau, c'est la vie qui triomphait selon moi. La vie est plus forte que la mort, bien elle triomphe sur mal là, mensonge là, disons vérité là, elle triomphe sous mensonge là, l'amour elle triomphe sous la haine. Avec la résurrection de Jésus, la lumière elle-même est créée de façon nouvelle et le Christ nous attire tous derrière lui dans la nouvelle vie de la résurrection. Et vint toute forme d'obscurité. Il est le nouveau jour de Dieu qui vaut pour nous tous. L'évangile de cette célébration, chers et frères bien-aimés, nous livre l'expérience des premiers témoins de la résurrection et nous invite à y adhérer pleinement. Les femmes qui se rendirent au tombeau de grand matin pour embaumer le corps de leur maître, mais le trouvèrent vide. Un homme se présentait à elles et leur dit, « Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité. » Les femmes pensaient trouver le cadavre à oindre. Au contraire, elles ont trouvé un tombeau vide. Elles étaient allées pleurer un mort. Au contraire, elles ont entendu une annonce de vie. Nous comprenons étonnement, nous comprenons frayeur, parce que depuis la route, mesdames, vous avez calculé entre eux-mêmes qui est-ce qui prend le roule roche ça, qui était déjà un gros roche. Vous êtes capable d'imaginer deux filles qui marchaient, et texte là, il soulignait pour nous, roche là, il était gros en pile. Voilà que, le yo paraît, yo wè wash sa, qui était déjà servi un obstacle pour yo a, li roule. Et, pire toujours, yo wè yon monsieur qui chita en blanc, et peut-être, je dis, t'as capable de dire, c'est yon zombie. Moun qui t'a wè, yo t'as capable de péter courir. Certainement, eh bien, yo t'es peur. Mais, c'est même monsieur ça, qui est habillé en blanc dans le tombeau, qui dit, yo, n'a pas cherché Jésus, nèg Nazareth là, il n'est pas ici là. Il est levé bien vivant. Et il a ajouté, il prend devant nous, dans Galilée, c'est là que nous avons besoin. C'est donc à la lumière de l'évangile une invitation à vaincre nos peurs. Et nous rendre en Galilée. Se rendre en Galilée, mais comment? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Eh bien, quand avec ce mio,
nous allons faire un petit rété sur l'expression aller en Galilée. Et à partir de l'expression ça, nous sommes capables de tirer trois gros messages que fait Pâques là, lui-même, les potés pour nous. Trois messages, c'est que, premièrement, il est possible de toujours recommencer avec le Seigneur. Rien n'est perdu pour Dieu. Il est toujours bon nos chances pour nous reprendre. Deuxième message, Jésus n'est pas un personnage dépassé. Il est ressuscité ici et maintenant. Il invite nous pour nous quitter tombeau, pour nous entrer dans le monde de résurrection. Il est là au cœur de nos vies. C'est lui qui nous fait vivre et il nous fait signe inlassablement. Et troisième message, c'est Jésus le ressuscité nous aime sans limite et visite chacune de nos situations de vie. Frère, avec ce moyen, aller dans Galilée pour nous rejoindre Jésus, c'est recommencer. Et puis, retrouver belle relation d'amour, ça, que nous te rompons avec lui à cause péché nous yo. Aller en Galilée, c'est retourner sur le lieu où, pour la première fois, le Seigneur nous a cherchés et nous a appelés à le suivre. C'est le lieu de la première rencontre, le lieu du premier amour. C'est dans Galilée que Jésus t'a commencé à les premiers disciples. C'est là qu'il t'a écouté pour la première fois prédication. C'est là qu'il t'a assisté à plusieurs miracles que Jésus lui-même lui t'a opéré. Tout comme aux premiers disciples, le Seigneur ressuscité se présente comme celui qui, encore une fois, nous précède dans la Galilée de notre cœur, là où il veut nous rencontrer. Là, prenez-nous et puis invitez-nous pour nous suivre sans nous pas fatiguer. Là, dis-nous à soi, même j'en ai dit non chaque jour, en aller côté nous te commencé à en recommencer. Livrez-nous encore malgré état nous. Livrez réintroduit nous dans intimité li malgré infidélité nous yo, malgré manque l'amour nous yo, malgré manque la foi nous yo, malgré pérèse nous yo, malgré manque de charité nous yo. Livrez recommencer avec nous. D'où la première annonce que la célébration de la fête de Pâques nous lance aujourd'hui. Il est possible de recommencer toujours avec le Seigneur parce qu'il y a toujours une vie nouvelle que Dieu est capable de faire repartir en nous au-delà de tous nos échecs. Chacun de nous sait, chacun de nous connaît les décombres de son propre cœur. Cependant, même sur les décombres de notre cœur, Dieu peut construire une œuvre d'art. Même des fragments désastreux de notre humanité, Dieu prépare une histoire nouvelle. Il nous précède toujours. Sur la croix de la souffrance, de la désolation et de la mort, comme dans la mort d'une vie qui ressuscite, d'une histoire qui change, d'une espérance qui renaît. Et en ces jours sombres de notre histoire de peuple, nous entendons le Seigneur ressuscité qui nous invite à recommencer, à ne jamais perdre l'espérance et à croire malgré tout. Deuxième annonce faite par là. La foi n'est pas un répertoire du passé et Jésus n'est pas un personnage dépassé. Il est vivant ici et maintenant. Il marche avec nous chaque jour dans la situation qui nous semble perdue. Ouvre-nous
avec étonnement à sa nouveauté et nous surprendra. Il a en effet commencé sa mission à Galilée, adressant l'annonce à ceux qui mènent leur vie quotidienne avec peine, adressant l'annonce aux exclus, aux personnes fragiles, aux pauvres, pour être visage et présence de Dieu. Il va chercher sans se lasser celui qui est découragé ou perdu, qui va jusqu'aux limites de l'existence, parce qu'à ses yeux, personne n'est dernier, personne n'est exclu. Frémio avec Semio. En Galilée, nous apprenons que nous sommes capables de rencontrer Jésus qui est bien vivant dans chaque frère action, surtout si nous sommes plus pauvres. Nous pouvons le trouver également dans l'enthousiasme de celui qui rêve et dans la résignation de celui qui est découragé, dans les sourires de celui qui se réjouit et dans les larmes de celui qui souffre, surtout de les petits et en celui qui est mis en marge dans notre société. Nous nous étonnerons de la façon dont la grandeur de Dieu se révèle dans la petitesse, de la façon dont sa bonté resplendit dans les simples et les pauvres. D'où enfin la troisième annonce de la célébration de ce soir. Jésus, le ressuscité, nous aime sans limite et visite chacune de nos situations de vie. Il a planté sa présence au cœur du monde et nous invite aussi à dépasser les barrières, vaincre les préjugés, approcher celui qui est à côté chaque jour pour retrouver la grâce de la quotidienneté. Reconnaissons-le présent dans nos Galilées, dans la vie de tous les jours. Avec lui, la vie changera, parce qu'au-delà de toutes les défaites, du mal et de la violence, au-delà de toute souffrance et au-delà de la mort, le ressuscité vit, le ressuscité conduit l'histoire. Sœurs et frères bien-aimés, en cette nuit, et si en cette nuit nous portons dans nos cœurs une heure sombre, un jour qui n'a pas encore surgi, une lumière ensevelie, un rêve brisé, allons, ouvrons nos cœurs avec étonnement à l'annonce de Pâques. Papa, il est bien vivant, il n'est pas dans le noir tombeau encore. L'attendons-nous dans Galilée. Côté attente, nous n'avons pas déçu. Côté de l'eau dans les yeux, nous n'avons pas séché. Côté espérance, nous n'avons pas remporté la victoire sous Pérez. Le Seigneur nous précède toujours. Il marche toujours devant nous. Et avec lui, toujours, la vie recommence. Comme ça, c'est pour la foi, nous, dans Jésus-Christ, qui le veut bien vivant, grandit chaque jour. Pour nous capables d'arriver à combattre tout tombeau qui dans la vie nous, tout fait noir qui dans la vie nous, pour nous capables d'habiller avec lumière, résurrection, Christ là, et puis Simaël, tout côté nous passer. Qu'il en soit ainsi pour toi, pour moi et pour nous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kounyea, Père pral béni de l'eau baptême nan, et fil ap fen renouvelé promesse baptême nan. Nous pral campé et en appli mes sièges qui nan menou yo, nous te baptisé tout yon jour. Kounyea, nous se grand moun
qui cap prend responsabilité non. Nous pral déclarer gros conviction nous et n'a prend engagement vivre d'après ça nous croit. Sœurs et frères bien-aimés, supplions Dieu le Père Tout-Puissant de sanctifier par sa grâce cette fontaine baptismale et de compter au nombre de ses enfants d'adoption dans le Christ ceux qui renaîtront par le baptême. Seigneur Dieu, par la puissance invisible, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements et de bien des manières, tu as préparé l'eau, ta créature, à devenir un signe de la grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, tu as donné de traverser la mer Rouge à pied sec, pour que cette multitude, libérée de l'esclavage de Pharaon, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Suspendu à la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'homme créé à ton image soit lavé de toutes les souillures de sa condition ancienne et renaissent de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu.
Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fontaine, afin que par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Frère Maximio, qu'on y a nous pral renouveler promesse baptême nous. Dans le mystère pascal là, Frère Maximio, nous rentrer dans le tombeau avec Jésus dans le baptême non. Pour nous capables de mener la vie tout neuf. C'est peut-être ça, en temps nous fini tout sacrifice carrément non. Nous devons renouveler qu'on y a promesse que nous t'ai fait dans le moment baptême nous. Le nous t'ai renoncé à Satan, à Zevlio, et le nous t'ai promettre pour nous servir, mon Dieu, dans l'Église catholique qui saint. Frère Maximio, pour nous vivre dans la liberté, petit bon Dieu, est-ce que nous renoncer à pécher? Oui, nous renoncer. Est-ce que nous renoncer à toutes œuvres péchées, à toutes œuvres Satan? Ça veut dire tout mauvais acte, toute mauvaise parole, tout mauvais chemin, nous rentrer dans yo. Est-ce que nous renoncer? Est-ce que nous renoncer à tout ça qui a séduit nous et qui a conduit nous dans le péché? Est-ce que nous renoncer? À nous déclarer la foi à nous. Frère Maximio, est-ce que nous croyons en bon Dieu, Papa, qui a tout pouvoir, les mêmes qui créent le ciel à terre? Est-ce que nous croyons? Oui, moi crois. Est-ce que nous croyons en Jésus-Christ, les mêmes seules graines petites, bon Dieu, Papa, qui sautit dans votre maman Marie, qui souffrit, qui entrait dans ton bois, mais qui est ressuscité sous troisième joie et qui chita à droite, Papa? Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons dans l'Esprit Saint, hein? Dans l'Église catholique là qui est saint? Est-ce que nous croyons dans la communion saint yo? Est-ce que nous croyons péché nous yo abjoindre pardon? Est-ce que nous croyons n'a ressuscité pour nous rentrer dans la vie qui pas jamais finir, hein? Est-ce que nous croyons? Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Kounia, des peuples à le passé dans l'église là, posez-nous à Globénite qui fin bénir, pour faire songer jour baptême non. Pendant temps ça, n'a chanté ensemble à chorale.
Thank you.
pendant bougie au lumen nan men nou, frère Maxime yo, n'a passé qu'on y a dans la prière, la prière universelle. Côté n'a ramassé tout besoin, peuple bon Dieu, ya. Toute souffrance, toute calamité, mais tout, toute espérance, toute joie, tout cœur content, en nous faisant seul, avec peuple bon Dieu, ya. Avec toute pauvre, yo. Tout le monde qui croit, yo. Pour nous capables de faire la prière, nous, monter bon côté bon Dieu. Nan moment ça. Responsable de l'Église, le pape François, notre exauce notre prière. Cap souffri, tout le monde y a malmené. Pour tout le monde qui joue une persécution dans la vie, pour le monde y a kembe en dehors société, pour victoire Jésus sous la mort libéré, frère Axemio, en nous la prière. Baptisés de cette nuit, afin qu'ils soient sans cesse comblés de la vie nouvelle dans le Christ. Dieu des vivants, exauce notre prière. Pour tes cœurs contents, pour tout le monde qui a cherché délivrance. Pour la paix rétablie dans le pays, nous, pour les amis qui se font chanter, pour le monde respecté, pour tout le monde qui vivre dans la sécurité. Frère Axemio, en nous la prière. Et chacune de nous ici rassemblés, demandons au Seigneur la grâce de vivre en ressuscité, en cherchant sans cesse à tendre vers les réalités d'en haut. Dieu des vivants, exauce notre prière.
nous continuons à prier dans le silence de notre cœur. Prions encore le Seigneur à tes fidèles, à tes enfants qui crient vers toi, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous dans ce lieu, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent, avec l'aide de ta grâce, la guérison éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Père, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la commune de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François et notre évêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis. Nous avons promis de prier sur Ginette Gersin, Manette Étienne. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Jésus le Christ. Pour lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Comme nous faisons dans l'Esprit Saint en ce Marc Frémio, nous capables de parler avec bon Dieu, Papa, Jean-Jésus, grand frère, nous montrez-nous. Papa, nous, qui est dans le ciel là, c'est pour nous respecter, nous, c'est pour nous reconnaître, c'est vous qui êtes, c'est pour volonté ou fait sous terre, tant que nous dans le ciel là. Pain nos besoins chaque jour, banoli jodia, pardonnez ça nous fait, tant qu'on nous pardonne monde qui fait nous qui choye, pas quitter nous prendre en piège, mais délivrez-nous avec ça qui est mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre terre d'Haïti. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En nous partager que content, que posé, ressuscité. À la chance nous, Jésus invité, vient manger ça. Mais Jésus ressuscité, les mêmes montants Dieu qui ont été péchés sous terre. Grand-mère, je pas mérité ou entrer la caille moins, mais dis seulement une parole et non moins va guérir. Thank you.
Thank you.
Prions le Seigneur. Réponds en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux que tu as nourris des sacrements de Pâques. Par le Christ notre Seigneur. On nous font tichit à tout petit, 2-3 minutes, parce que il est presque fait 7 heures. Et à 7 heures, tendez, il y a un couvre-feu. Alors, t'aime tout dit non, si vous prenez dans la rue et que la police retient nous, nous espérons ces bons policiers, tout lève mais non. Et puis, dit, nous sommes dans l'église Saint-Pierre. Parce qu'il y a un monde qui mourit. Au grand messie l'autre jour. Peut-être parce que les palbléris t'aiment pas qu'on est. Mais puis Ganal mourit pour grand messie. D'ailleurs, nous vînes porter que content en dedans communauté et en dedans que paye. Parce que nous t'aiguons plus l'inquiétude, l'incertitude. Nous même tout certainement. Mais yo, par rapport à Jean Bagayou a déroulé, et voilà, bon Dieu fait nous grâce. Pour nous célébrer quand même. On va nous rentrer demain dans dimanche Pâques là. Nous déjà là-dedans d'ailleurs. Moi, je voulais commencer, dit Frémio, merci en pile, qui était poté par cela pendant toute période carême. Nous avons été en pile temps dans la confession le matin après la messe. En pile temps dans la confession pendant ta retraite là. Mais dis-moi merci pour belle collaboration que yo ba moi et qui fait que travail la vie plus léger pour moi et pour yo. Moi merci Père Serge, Père Edner, deux grands prédicateurs. Pa wa cela gagné. Me senti content. Le m'attendais Père yo qu'a prêché. Moi remet en des paix qu'a prêché. Merci en pile pour s'annoyer pour moi, de vrais collaborateurs, de vrais frères, qui portaient en pile que content en dedans presbytère. Ou merci Abbé Peterson, qui est toujours là. Ou merci chers soeurs, qui nous toujours disent bon tisseur, non, bon Dieu, bon nous, bon fidèle, même si personne n'a pas vivé dans mes là, mais à bien deux trois soeurs quand même, parce que nous environnés avec sœurs, les filles de Marie, plus loin, les sœurs de la sagesse, plus près toujours, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, et on tire plus loin pour les sœurs de Sainte-Thérèse. Nous remplis avec sœurs et nous traitons nous comme frères. Nous disons merci en pile. Merci à chorale qui animait la messe. C'est une mosaïque d'uniformes, gardé devant nous, même si j'accepte un petit peu plus, mais là, moi, j'accepte. Moi, humilité. Moi, oui, Maria. Qui est encore, moi, né là. Moi, oui, Kiro. Moi, content. Jean, vous qu'a mettez ensemble. Jean Coral, vous qu'a mettez ensemble. Parce que souvent, on entendait. Vous réfléchissez en pile, vous travaillez en pile. Vous faites en pile, j'ai fort. Vous ne comprenez pas comprendre, vous fois, oui. Dans le choix qu'a fait, yo. Parce que c'est le monde qui est capable, qui doit travailler dans la liturgie. Et il y a un pilote qui a préparé pour vous venir serviteur en dedans la liturgie. Moi, je vous remercie. Merci à Acton, merci à Servant d'Hôtel, toujours là, Timon, il y aurait le petit père, par contre, comme il est Mickey là, il va aller le mamet. Merci Frère Aska, merci Andrés, merci Monsieur Alex, avec Kipli, et tout le monde qui m'a mis ensemble pour faire nous bien célébrer
la messe. Nous songeons, Père Wilbert Donville, nous disons merci en pile, les mêmes qui étaient prêchés retraite pour nous. Et nous songeons toute chorale qui passait là, tout groupe, comité accueil qui est toujours là pour faire service là. Nous ramassons dans un bouquet de remerciements et nous demandons Jésus ressuscité pour combler nous toutes et nous chaque avec la grâce, avec le content résurrection. La messe demain dimanche à 6h30, à 8h30, à 10h30 et à 4h dans l'après-midi. Nous demandons, nous pas dit non, il n'y a pas en pile, c'est cette fois. Yo même qu'à lever la communion, nous avons rendez-vous dans la chapelle là demain matin à 6h15. Pour yon sorti avec paix qui a célébré la messe 6h15, 6h30 là, et a réservé premier banc pour yon capable chita. Hilaire, Jasmine Joassin, Gerda Joseph, Magali Rayon, Inal Jeannette Balthazar, Alexandra Jason, Aziman Pierre. Moi, maintenant, Jeannette, Aziman. M'invitez vous toutes pour y retrouver Père qui a fait la messe 6h30 là dans la chapelle là pour y sortir avec lui, pour y avoir une belle rade blanc sous yo, pour y venir reprendre la communion qui a été perdue depuis 20 ans, gagné depuis 30 ans. C'est mauvais bagaille de nous perdre la communion et c'est belle bagaille de nous reprendre et pour nous qu'un bel. C'est la grâce de même. M'invitez-nous qu'on y a à camper, frère Maxime, pour nous recevoir bénédiction solennelle que vous prévoyez dans la journée. Ça. Moi, je voulais féliciter nous parce que moi, en pile monde bordel, déjà nous rentrons dans le Pâques là. Et puis demain encore, c'est pire, nous voulons pire bordel encore. Parce que même là, la vie est difficile, c'est pour nous espérer. Et c'est pour nous créer la vie autour de nous-mêmes. Bravo, compliment. Inclinez-nous pour nous recevoir bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne fête de Pâques à vous tous. Merci.
Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télésoleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé-Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur